L'islam, c'est le Coran. D'ailleurs, je vais te faire lecture, puisque tu ne connais pas l'islam, je vais te faire lecture d'un verset du Coran. Il y en a 600 comme ça, mais je vais te les épargner. Mais on ne va pas faire de la théologie, si, on n'est pas si, là si, c'est pour important, ça. Parce que quand tu dis que l'islam est compatible avec la République, tu parles de l'islam. Donc si tu ne connais pas l'islam, tu ne peux pas savoir s'il est compatible avec la République ou pas. « Inna allazina kafiru bi ayatna saufa nasalhum nar kalamna guludahum » Je te traduis. Certes, ceux qui ne croient pas au Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Est-ce que ça, c'est de l'islam ou de l'islamisme? Jean, réponds à ma question. Est-ce que ça, c'est de l'islam? Non, Jean, tu n'es pas sérieux. Vous, Marine Le Pen, vous nous dites que l'islam est compatible avec la République. Vous avez dit ça. Je peux me tutoyer. D'accord. Il faut éviter de faire du faux. C'est vrai. Tu nous dis que l'islam est compatible avec la République, mais j'ai une question simple à te poser ce soir. Est-ce que tu as lu le Coran? Non, mais je veux te dire, je me moque totalement. Comment tu peux savoir non, mais ça ne me regarde pas, parce que moi, je suis dans un. J'ai vocation à être la présidente d'un pays laïque, figure-toi.